La question, c'est moins celle du type d'émotion que de la relation aux émotions. Puisqu'une une vision très simpliste, ce serait la vision du, des contenus émotionnels. Donc, euh, voilà, il y aurait de mauvaises émotions. Hein, la colère, mauvaise émotion. La tristesse, pas trop bonne émotion. La peur, très certainement pour les hommes, une très mauvaise émotion. Et puis, il y aurait toutes les belles émotions dont on veut, les mauvaises dont on ne veut pas. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toute émotion est utile. Sinon, elle n'aurait pas eu. Alors, pour comprendre à quel point elles sont importantes, il faut, euh, il faut penser à une des fonctions centrales de l'émotion qui est les émotions nous informent sur, d'une part, nos besoins. On pourrait dire quelque part, comme le tableau de bord d'un véhicule, euh, nos besoins essentiels. En quel état est ce véhicule que, que nous sommes et d'autre part sur nos, sur nos valeurs et nos directions de vie. Et donc à chaque fois que, que nos besoins sont contrariés, qu'on a le sentiment qu'un de nos besoins fondamentaux est, est menacé, ça peut être un besoin très simple, hein, même les besoins de, de sécurité. D'ailleurs, plus que ça, même un besoin qui est de se nourrir. Si vous avez faim pendant une réunion, il, il est très probable que vous commenciez à éprouver une forme d'énervement. Et si vous n'êtes pas conscient que l'énervement vient du fait d'avoir faim, vous allez vous énerver sur ce que dit un collègue, et ainsi de suite, vous allez transposer l'énervement sur autre chose. Mais, mais donc l'émotion, elle, elle nous renseigne directement sur, sur quelque chose d'important nos besoins. Et puis quand une de nos valeurs va être contrariée, donc une des directions de vie importante, une des choses qui est importantes pour nous, parce qu'on est témoin d'une injustice, ou parce qu'il y a quelque chose dans ce, qu vous, ce qui est demandé, si vous êtes... Un manager, mais que vous n'êtes pas vous, la tête tout en haut de l'entreprise, et qui est une des politiques qui est mise en place, qui est contraire à quelque chose de fondamental pour vous, vous allez ressentir une émotion qui va être de plus en plus forte. Pourquoi Heureusement que l'émotion est là, elle vous informe qu'il y a un décalage entre ce qui est important pour vous et ce que vous êtes en train d'évaluer ou de vivre ou, ou comment vous êtes en train de vous comporter. Donc, dans ce sens-là, les émotions sont essentielles. Il n'y a pas de différence entre l'émotion de colère, de, de tristesse, de peur ou, ou de joie la joie et les émotions appelées dites positives, elles ont pour fonction de nous dire que nos besoins et valeurs eh bien sont plutôt euh, voilà, on en prend soin, elles sont satisfaites et, et donc que tout va bien, indicateur qui dit que tout est au vert. Donc les deux types d'émotions. Alors, ce qui est différent, ce sont les conséquences des émotions. Évidemment, vivre de manière prolongée ou trop intense des émotions euh, dites négatives, eh bien ça va avoir pour effet non seulement de détériorer notre, notre notre santé par exemple. Mais l'effet qu'elles ont sur nos systèmes cognitifs et attentionnels va faire que la colère réduit le système attentionnel à la menace, pour une bonne raison, de survie. Mais ça va faire que lorsqu'on est en colère, on ne voit que ce qui nous menace, donc on a tendance à surréagir, notre seuil de tolérance baisse, et ça nous amène à avoir des comportements qui ne sont pas tout à fait adaptés.